Attends, qu'est-ce qui se passe encore là? Le boycott de ça. Quel boycott? Le boycott des blogueuses. Quelle blogueuse? Muriel Blanche et Nathalie Nkoua. Non, je ne te crois pas. C'est pas le mensonge. Ah qui est? Les qui font même ça? Les gens de la basse. Waouh, encore eux? Je te dis que... Arrêtez la méchanceté. C'est honteux. Vous êtes attaqué à Muriel Blanche, la pauvre. Une petite fille comme Marielle Blanche. Hey! Comme qui? Elle s'appelle comment? Marielle... Mireille Blanche. Ya, mon ya. Continue seulement, Valérie. Elle cherche sa vie, c'est une petite fille. Elle se bat. En vrai? Elle fait quoi? Elle fait dans le elle est caméraman, non? Hey! Hey! Non, vous êtes fort. I'll give you chapeau like this. Tu crois que je connais? Bref, ils sont même où? Il faut qu'ils nous disent pourquoi ils font ça. Je vois comment Cindy de Boston ne fait que s'acharner derrière Nathalie quoi. Ben oui. Tu te déchaînes sur Nathalie, ton problème avec elle, c'est quoi? Nous allons vous dire pourquoi nous boycottons ces femmes. Oui, il faut nous dire ce que vous leur voulez juste. Tout ce qu'on vous demande, c'est de démontrer de la compassion, de l'empathie envers le peuple qui souffre. Donc en gros, c'est de dénoncer ce qui se passe par rapport au peuple. C'est tout ce qu'on leur demande. Ah bon? Et tant qu'ils ne dénoncent pas ce qui se passe par rapport au peuple, ils ne viendront plus jamais faire quoi que ce soit en diaspora. Ça, c'est des raisons inutiles qui ne sont même pas valables. C'est Nathalie Kouakou qui gère le Cameroun. Point d'interrogation. Allez manifester là où il faut. Allez boycotter le gouvernement. Paul Biya les a dépassés. Ils ne peuvent plus rien faire. Paul Biya, venez bien se positionner ici là. Ouais, jusqu'à ils ont même versé la farine sur toi. Allez à étudier. Versez la farine sur la tête de Paul Biya. Vraiment, petit frère, calme-toi. Aïcha Kamouas n'a rien à y voir avec votre combat. Je vous ai entendu vous attaquer au physique d'Aïcha Kamouas. C'est vrai ça? C'est la fille ici. Elle est courte comme ça. Elle a fait les pygmées comme ça. Hé, aïe, 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 aïe. Vous pouvez créer quelqu'un. Je te dis que... Bref, moi, il y a un truc que moi, je ne comprends même pas. Même quand on dit boycott, est-ce que ça allait agresser les gens? Point d'interrogation. Le boycott est un mécanisme de contestation non violent. Voilà! Lorsqu'en février 2020, le MRC a décidé de boycotter l'élection législative et municipale, ils n'ont pas empêché les gens d'aller voter. Hein? Et c'est ceci qui travaille. Je t'ai dit. C'est pas parce que je suis amoureux de Nathalie Nkoua que je le dis. Moi, je suis un nationaliste parce que je n'ai jamais vu un pays comme ça. Bref, Valseron, ensemble, tu dis quoi? Le boycott n'est pas l'agression. Voilà, c'est ça. On sera violent. Pourquoi? Vous pouvez pas être une mère d'enfant. On tue les enfants, vous ne dites rien dans votre pays. Vous avez boycotté Muriel Blanche en Belgique. Ben oui. Bravo pour vous. Vous avez gagné quoi? Point d'interrogation. Demain en allumant vos télé, il y aura plus de morts dans le Noso. Point d'interrogation. Demain en allumant vos télé, il y aura plus de problèmes d'électricité au Cameroun. Point d'interrogation. Ce n'est pas comme ça que vous allez réussir le combat. Le régime actuel, beaucoup disent que c'est un régime dictateur. L'histoire que tu engages là. Ce n'est pas moi qui dis, c'est les gens qui disent. Oui, Ruby, continue. Le problème, c'est que la manière dont vous vous comportez avec les influenceurs, c'est aussi de la dictature. Oui. Vous ne pouvez pas imposer les gens à avoir un choix ou bien faire des sorties à chaque fois qu'il y a en fait un problème. Ça, c'est clair. Les gens ne sont pas obligés. Vous ne dénoncez pas, vous ne venez pas en diaspora. Vous venez en diaspora, on vous boycotte propre. Oh, John. Et ce que je dis aujourd'hui est valable pour ma propre sœur. Je dis bien pour ma propre sœur, Coco Emilia. Coco Emilia, c'est ta soeur. Coco Emilia, c'est ma soeur, ma cousine directe. Tu veux forcer mon grand-père direct? Oh, on t'a rien demandé. Ouais, j'assure. Quand on a une position publique, on a une responsabilité envers le peuple. Nathalie quoi? Ne fait pas partie de votre combat. C'est pas son problème quand tu es des petites filles à Kumba. L'histoire de la petite de Boya, Nathalie Kouakou a fait un post dessus. Même Muriel Blanche, hein. La base, il faut doser. Parce qu'au bout d'un moment, trop, c'est trop. Je te dis, mais à part te verser la farine, ils ont encore fait quoi au meet and greet de Nathalie quoi? Ah, Tap Tap 5. Ok. Tap Tap 5 a mis la sécurité. L'application pour envoyer de l'argent en Afrique, là. Placement de produits. Papa, tu es fort. Ah, Nathalie, tu connais déjà. Beaucoup de personnes ont eu à m'écrire en me disant « Oh non, moi je suis au Cameroun, mais l'application ne marche pas. » Ce qui est tout à fait normal, car TapTapSend est réservé uniquement aux personnes vivant en Europe, aux États-Unis ou au Canada et qui veulent envoyer de l'argent à leur poste en Afrique directement sur leur compte Orange Money ou MTN Mobile Money. Sans oublier qu'avec mon code promo KOA237, vous bénéficiez de 5€, 5 livres sterling ou 10$ offerts sur votre transfert. Donc moi, je ne sais pas ce que vous attendez pour télécharger l'application là. Sinon, Ruby, tu dis qu'ils ont mis la sécurité comment? Il y avait peut-être 10 gardes du corps. Ah bon? Les gardes étaient tellement costauds qu'ils ont neutralisé les gardes de la base. La base, les gens de la base, c'est... Les Sandy Boston et les Nyat, vraiment, quittez. Ça veut dire que les gars de la sécurité là ne blaguaient pas alors. Hein. Donc quand les gars de la base ont vu ça, ils ont dit, mais on fait les choristes. Les choristes. Les gars se sont transformés en choristes. Ils chantaient. Sérieux? Vous venez
venez manifester, vous venez devenir des choristes. Je ne veux plus jamais croire à la basse. Ils ont que la bouche. Vous avez loupé votre boycott. J'étais déjà contente que la basse va faire la honte en quoi. Et que Valérie, donc depuis toi, tu étais même d'accord avec les boycotts là. Pour Marielle, je n'étais pas d'accord. Muriel, bref, et pour Nathalie? 10 sur 10. Pourquoi? Parce que quand je l'ai soutenue ici sur les réseaux sociaux, même Mercier n'a pas dit. Ah bon? Moi, j'ai subi les menaces de mort ici. J'ai été insultée copieusement. Même merci. Ouais, Asia. Nous avons bagarré pour ces filles dans la toile. Hey, laisse les gens. Si on voit, tu n'as pas mangé depuis le matin. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion pour les membres de la basse? Non, les gars de la basse, vrai, vous avez une dème. Le mouvement là, au départ, ça donnait, mais vous êtes entré maintenant dans les combats inutiles. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait vous étiez un peu crédible, mais là, vous avez gâté le mouvement. Vous êtes en train de cracher sur le travail des véritables combattants. Le boycott par l'agression ne saurait être accepté. En espérant qu'ils se remettent en question. Bon, pasto. Oui. Donne-nous la bénédiction de Noël, on part. Dominus vobiscus. Semprentasoro bolambalande de miria. Amen. Accepte ton prochain, ne fais rien contre ta conscience. Main dans la main, c'est ainsi qu'on avance. Y'a pas de vengeance plus entière que le pardon. Pour un monde meilleur, le métissage est la solution.